à la dossier kabay problème. À la dossier fait moun marron prend exil en dedans pays ça, c'est dossier assassinat président Jovenel Moïse. Dans moment on a parlé là, il y a plusieurs enquêteurs du CPJ qui t'a travaillé sous dossier Jovenel Moïse qui obligé la pied au quitter pays pour des raisons de sécurité parce que la vie menacée. Précisément, il y a deux enquêteurs nous t'est rentré en contact avec yo et pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'éthique, yo pas détaillé contenu travail yo, etc. etc. Mais seul ça qui confirmait c'est que il y a des menaces qui pesaient sous la vie. Chaque jour plus nous avons une nouveauté dans quatre dossiers Jovenel Moïse. 600 millions de dollars pour reconstruction Grand Sud là. Ça c'est illusion communauté internationale là, premier ministre Ariel Henry, gouvernement là à 20 peuples haïtiens dans département Sud là, dans Nib avec grandance. Comment ça va le finir? Déjà, m'a invité au rete là pour aller compte tout détail, toute information yo nan yon ti moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Dossier Jovenel Moïse, l'ipirène qu'on je chaud. Nous avons un bouillie, je à chaud. Nous faisons retirer le droit de la loi, mais nous avons un constat dossier Jovenel Moïse dans la République. Puisque déjà là, depuis après 7 juillet, depuis après l'assassinat Jovenel Moïse, bien avant, il y a un gène qui était dans le baron. Mais dossier Jovenel Moïse, l'imité campé loin pour un paquet de nègres en dedans pays. Nous prenons par exemple Reginald Boulos, qui n'a campé loin. Dimitri Vob qui était annoncé depuis après l'assassinat Jovenel Moïse que il t'a rentré dans le pays et que il t'a retourné la Kaeli Haïti etc. Bon, jusqu'à date rien pas fait, il n'a campé loin, juge Wendel n'a campé loin ou prend et président ou prend Liné Balthazar PHTK qui n'a campé loin ou pour un paquet de personnalités qui t'a influencé sur scène politique là, sur scène économique là, monsieur Damzayo, yo n'a campé loin suite avec dossier assassinat Jovenel Moïse. Et là, il a couru que juge d'instruction Gary Aurélien qui t'a instruit le dossier, lui obligé pour aller la tête li n'a campé loin parce que là, il y a des menaces qui pesent sur la vie par rapport avec un ensemble d'informations que des journaux étrangers mettaient dehors, des révélations que des journaux étrangers publiaient. Donc, nous allons comprendre dans quelles circonstances nous sommes là. Et maintenant, dans ce qui est pour avec enquêteur de CPJ. Qui s'acrive? Dans la situation où il y a, nous avons pensé que il y a des journaux, tant que l'on prend CNN qui sont la guerre des révélations que des révélations inattendues pour un groupe monde, mais ça c'est une insensé dire c'est pas des bagages que en Haïti que nous pas connaît, c'est des bagages que nous connaît déjà, nous côtoyons chaque jour, mais pour une raison ou pour une autre, puisque c'est haïtien qui dit, puisque c'est des médias haïtiens qui dit, nous pas vraiment croire là-dedans, mais coup c'est journal étranger qui fait révélation, donc nous guettons quoi, nous relayer etc. Qu'est-ce qui arrive? Gagner des enquêteurs haïtiens ou est que journal CNN cité dans ensemble des formations que vous avez. Et surtout, là, vous parlez de filature qui était gagné pour vous prendre et premier ministre Ariel Henry avec Badjo Félix dans le moment rencontre là. Qui ça qui arrivait? Il y a des accusations qui portaient sous différents enquêteurs qui tape travail en Haïti dans quatre dossiers Jovenel Moïse, comme quoi que c'est eux-mêmes qui vendent journal étranger ça a une information, qui vendent Washington Post, qui vendent CNN, qui vendent New York Times information sous enquête là, sous dossier assassinat Jovenel Moïse, pour yon ka peser pilou accusation qui gagne sous deux premiers ministres Ariel Henry. Est-ce que c'est vérité? Est-ce que c'est des mensonges que le gouvernement pote sous enquêteur ça yon, puisque nous connaissons là? Nous, ouais, dans quelle situation, article qui écrit. Dernier article, CNN écrit, nous comprenons que, là aussi, il y a des enquêteurs haïtiens qui t'ont collaboré, qui t'ont travaillé en façon pour arriver à arrêter le premier ministre Ariel Henry. Donc, on pose cette question, qui est enquêteur, ça arrive? Puisque le journal n'est pas tenu pour le révéler sous-ci, il n'est pas tenu pour le révéler qui est qui a l'information, et moi-même, je n'ai pas tenu, même l'homme t'a gagné des informations, t'a gagné des faits pour
au banc là, m'pas tenu pour me révéler sous moi, pour me dire mais qui est-ce qui dit, etc. Donc nous comprenons que jodian la menace qui pesait sous dos enquêteur ça yo, n'a comprendre contexte difficile. Et là, par rapport avec des séries de monde qui dans le gouvernement, le premier ministre Ariel Henry qui a accusation ça au sous-dol. Et pour prendre des enquêteurs haïtiens qui baillent, qui font des révélations avec CNN, et Washington Post, etc. Au niveau même du gouvernement, ils pourraient considérer enquêteurs ça comme des traites. C'est le même pour RNDDH qui s'agit là, je dis. Bon ensemble de formations qui baillent sous dossier Jovenel Moïse, ils ont considéré c'est enquêteur haïtien qui a fait révélation ça yo, c'est enquêteur haïtien ça yo qui a fait des fuites en avant, qui a fait des fuites d'informations. Donc automatiquement gen tan gen doute sous, automatiquement yo gen tan longe doit sous, il y a des accusations qui portent sous directement comme moun k'ap relé information, k'ap vann information sous dossier Jovenel Moïse, comme moun k'ap vann information, k'ap bay des éléments de preuve ou bien des indices sous premier ministre de facto Ariel Henry. Donc automatiquement la vie menacée, automatiquement vie menacée. Donc si ou k'ap kouri ki te payan, c'est kouri ki te payan, si ou k'ap pran asile, c'est kouri pran asile pour aller façon pour protéger la vie. Donc, maintenant qui contexte jodi, maintenant qui situation de série de monde qui tap travaille pour le bien de la République, pour information rivée et divulgué, pour rivée qu'on est qui est-ce qui participe dans tout les Jovenel Moïse, tout bon, mais la vie yon fini par menacer, travail yon fini par menacer, yon gen des risques sous tête yon. Donc, c'est réalité ça, nan vive en Haïti, jodi an la. Donc, qui ça qui doit faire? Est-ce que par rapport avec un pareil circonstance? Est-ce que par rapport avec des manches qu'a fait, pas bon côté corrompu, qui nan l'État, corrompu, qui nan pouvoir, et que l'exécutif, que le judiciaire là? Est-ce que nous ka attendre pour aller des avancées concrètes qu'a fait dans le dossier Jovenel Moïse? Puisque on moun kap travaille sur un dossier, on moun kap permet à ce que la vérité prend la rue, on moun kap travaille pour indice, pour chercher indice, pour arriver et faire lumière sur ce qui passe. Je dis, ah ouais, c'est moun sa yo la vie menacé, c'est moun sa yo et gros forme de persécution contre eux. Donc, dites tout bien, dites tout, au niveau national, a toujours gen des moun qui a travaillé constamment pour barrer enquête là. C'est des moun qui se de et blocage même. Wall yo travail yo mission yo dans quatre dossiers assassinat Jovenel Moïse, c'est bloqué enquête là, c'est bloqué déroulement travail là, c'est bloqué processus. Et qui ça qui rive là, le pral gon nouveau juge d'instruction sur dossier. Et d'ailleurs, ou pral trouve une situation côté que le gon nouveau juge d'instruction qui prend dossier Jovenel Moïse, il pas tenu et pas ensemble d'actes d'instruction que Gary Aurélien te fait déjà. Vous comprenez ça, mais là, il n'est pas tenu par ensemble d'actes d'instruction que Gary Aurélien a fait déjà. Gary Aurélien a décidé, et il y a un monde qui a été le monde qui a décidé lui-même, lui voyer li nan pénitencier national, car mon nouveau juge d'instruction qui vient sous le dossier, li décide que, et ensemble d'indices que Gary Aurélien te gagne, yo pas convaincant pour lui, et puis il décide de mettre mon en liberté et provisoire. Est-ce que nous comprenons? Donc, chaque juge d'instruction qui vient sous le dossier Jovenel Moïse, lui-même, il pral gagne des actes d'instruction que le pral fait qui pourra pas lui-même, li pral gagne des actes d'instruction que le pral prend, et selon intime conviction, li. Donc, ça qu'arrive, te gagne une qui fait pour l'autre la venir de faire tout ça que tu fais, qui soit pral dit. En tant que citoyen, c'est chita gade, oui. C'est chita gade, c'est ça nous fait. Et c'est ça, papa, ici, on fait plus bien. Chita gade. Et comme si ça a passé, yo pas concerné, yo. Et comme si décision qu'a prend, yo pas concerné, yo. Donc là, ou comprendre qui, ou comprendre qui réalité ou à vivre en Haïti avec le Jovenel Moïse, et qui côté ou doit camper par rapport avec éléments de formation ou gain à la disposition, yo. M'kwen e gampil nan nou, qui a critiqué le fait que yon ensemble de formations, révélations qui fait sous l'instruction Gary Aurélien, comme quoi li yon audio qui a circulé, li dénoncé Ariel Henry dans audio ça comme moun qui participait dans tout Jovenel Moïse, dans complot, etc. Si yon tap cherché bon genre information, jodi yon tap on suspect li. De même tout pour enquêteur de CPJO qui fait des révélations by CNN. Là, on prend le cas par exemple de juge d'instruction. Nous toujours tendez au dos l'instruction est secrète. Donc, au juge d'instruction, il n'y a pas nul droit pour la révéler des éléments de formation, non enquête que la travaille sous lui, non dossier que la instruit. Donc, bagay ça n'a pas supposé fait. La loi interdit, éthique interdit, morale interdit.
De même pour des enquêteurs qui sont au dossier, qui cherchent éléments de preuve, qui cherchent indices, il y a le secret professionnel. Donc, soit travaille sur un dossier, ou tenu par le secret professionnel, faut qu'on ferme bouche ou pas gagner éléments de formation pour le bail que là avec médias haïtiens, que là avec médias étrangers, etc., etc. Mais, bon bagaille nous pas comprendre. Monsieur Sario, c'est eux-mêmes qui a cuisiné. C'est eux-mêmes qui n'ont du feu. Nous-mêmes, nous sommes chita à côté. Nous sommes chita, bon, nous pas même chita à bord table. Nous éparpillés, n'attend le manger à fin cuit pour yon poté ti kalban. N'attend le manger à fin cuit pour yon dressel, pour yon banou, c'est un banou. Donc, nous pas resté constance dans le dossier assassinat de Jovenel Moïse. Donc, qui ça n'attend? Le gars, il a fait une instruction dossier pour lui dire, mais qui est-ce qui est inculpé? Pour le dire, moun sa yo li inculpé, on a voué devant tribunal criminel pour y juger. Là, ça n'a pas dit, c'est X, c'est Y, c'est Z qui participait de manière officielle n'assassiner Jovenel Moïse. C'est le même enquêteur sa yo qui tape travail sous dossier Jovenel Moïse, qui travaille sous dossier Jovenel Moïse. Le yo gagne des indices, le yo gagne des preuves formelles, des preuves matérielles qu'il a, qui a corroboré en relation qui existait en réel avec Badjo. Qui ça qui arrive kounye? Du fait que qu'on est au niveau de la justice haïtienne, au niveau même national dans le pays, ça pas servir à rien. La presse haïtienne, les médias haïtiens, pour la plupart, même leur ta gen information ça, même leur enquêteur ta vin dit à moi Ariel avec Badjo, yo pas prélé pour qui ça? Parce que en pile médias haïtiens muselés, yo fermé bouche yo. Gen pot venan men ou ki gen l'argent etc etc gen on ensemble d'éléments de formation que yon pa jam bay. Nous comprenons? C'est le même tout après gen moun ki impliqué dans dossier Jovenel Moïse qui c'est des moun des témoins ou bien des moun qui gen des éléments de formation qui pa jam bay la presse haïtienne parce que yon connaît depuis yon bay li gen tan kon risque sous la vie yo, parce que moun so bay li yon gen tan li gen contact dans gouvernement, gen contact dans pouvoir, bral gen tan relayé etc etc, c'est retour ou tomber dans chaud. Donc moun sa yo que te jeune instruction gari Aurélien audio prend la rue, que te enquêteur de CPJ etc qui mentionnait dans révélation CNN yo, moun sa yo senti yo gen on garantie, yo bon garantie pour qui ça, parce que l'enquêteur elle a parlé avec médias international là, li senti que la vie la protégé pour qui ça, parce que anonymat li protégé. C'est X qui parlait avec tel média, li connaît souci li joue rôle souci li. Pas gen moun ki pral révéler identité, pas gen moun ki pral di mais qui est lié, mais qui est lié, mais qui est lié. Toujours au niveau national, nèg yo ka fè diversion, nèg yo ka décidé accuser X, accuser Y, accuser Z, mais yo konnen pertinemment bien, c'est parce que nan mitan yo mettait des tout terre, mettait des agents doubles. Pour qui ça? Nan même révélation CNN yo dou que yo dou genye même nan même informateur yo qui te gen vin jouer rôle agent double, qui te gen bay information avec et moun gouvernement yo avec entourage Ariel Henry, et puis et ça fait rencontre pas fait. C'est parce que nan même groupe enquêteur yo gen moun k'ap fè agent double, gen moun k'ap travaille pour la vérité, gen moun k'ap travaille pour un groupe moun pour empêcher la vérité après la rue. Donc jodi an la mette tête ou nan pou enquêteur de CPJ que la ville menacée, qui pas gen l'autre moyen, qui pas gen l'autre voie de recours pour protéger la ville. C'est pas et pas exil ou t'a chercher, c'est pas marron t'a chercher marron, c'est pas pays t'a chercher quitter. Donc en pile froid, faut nous essayer mettre nous dans pour moun yo pour nous comprendre réalité à vivre là-dedans, parce que dossier Jovenel Moïse son dossier qui fragile, son dossier qui sensible, et nous est là au niveau national par un juge d'instruction qui voulait prendre dossier. Que ce soit pour éviter des soupçons de corruption, que ce soit pour vie, parce que y a bien pile en pile en pile avec un paquet de menaces qui a pesé sur la vie. Donc tout le monde peut, tout le monde voulait prendre exil, tout le monde voulait aller dans Maroc. Donc on peut comprendre que la réalité qui est là, c'est mourir pour Jovenel pas mourir, c'est assassiner pour pas assassiner, donc il y a fin assassiner. Donc tout le monde qui participe dans le courant, il y a toujours fait tout ça pour protéger nous, pour protéger l'identité, etc. Nous pas gain justice, nous pas faire justice en Haïti. Nous pas faire justice.
Avant de continuer l'émission, faut m'annoncer nous jeudi en c'est fête liée. Ah oui, c'est fête liée. M'a profité souhaiter un joyeux fête d'anniversaire à Tamika Daniel Ornéus, qui c'est petit Jean-Antoine Ornéus, un fanatique émission, super branché qui pas jamais raté émission, toujours à commenter, toujours à participer avec nous. Donc jeudi en là, on souhaite que Tamika bien enjoy li pour déboucher un paquet de cadeaux. Bye cadeau et émission mon éditorial à profiter et fêter avec lui, à profiter, souhaiter tout bon bagage, continuer qu'embe même esprit positivité ça, continuer c'est seul constant pour réaliser de grandes choses. Esprit positivité hein, rester positif pour accomplir un paquet belle bagage. N'a continuer avec émission. Dans début on t'ai parlé nous de $600 million, en $600 million là pour reconstruction grand sud pays après et tremblement de terre qui t'est passé dans mois d'août 2021. Là, nous replonger encore nos illusions. Déjà, pour Zanmio qui pral dit nous pessimistes, pour Zanmio qui pral dit nous laisser nous dominer par esprit négativité dans ça qui vient pour avec et décision que l'État prend pour reconstruction, décision que l'État prend pour investir dans notre développement ou bien comme pas qu'on est. Et là, déjà, d'entrée de jeu, m'oblige font ti camper là avec nous. M'bral transporter avec nous, m'bral transposer nous en 2010. Après tremblement de terre 2010, non pas oublier que gon paquet l'argent qui débloqué, yo mette camper série RH, Clinton yo, Jean-Max Belrive, René Préval, yo mette camper série RH pour reconstruire Haïti. Dans série RH gon paquet un paquet quantité millions qui gagoté, un paquet quantité l'argent qui disparaît, qui rentre dans fond Clinton yo, qui rentre, qui détourne via la Croix-Rouge, un paquet l'argent. Si vraiment CIRH te contribué dans reconstruction Haïti après tremblement 2010, jodi an nou tap loin. Jodi an la problème infrastructure nou gen en Haïti nou pas tap genl. Des problèmes institutionnels nou gen nan pays an nou pas tap genl. Puisque nou te konnen te gen l'argent te disponible, te gen dèt donc te bay, te gen prêt te bay etc. Haïti tap loin. Ou ap gade sa k pase en août 2021 nan grand sud pays an, ou gen sud lak frappé, ou gen nip ki frappé, ou gen grandans ki frappé pour un tremblement de terre. Et jodi an la, nou wè au niveau des médias, nou wè même au niveau du gouvernement haïtien, gagné propagande ka fait, on $600 million qui débloqué, on fond qui là juste pour reconstruction. Mais posez tête aux questions. Après 2010, t'es gagné l'argent, t'es gagné 10 fois plus qui t'est débloqué pour reconstruction Haïti gat côté nouye. Alors que c'est même instance ça qui t'est impliqué là-dedans. Alors que c'est même agence interaméricaine ça qui t'est impliqué là-dedans. Alors que c'est même institution yo, certes, c'est pas même moun yo, c'est même institution yo qui t'est impliqué, qui t'est participé. Gat côté Haïti. Donc jodi an la, qui ça a changé? Jodi an la, qui motivation en plus qui gagne pour gen reconstruction vraie qui fait après tremblement de terre ça. Pour gen reconstruction post-séisme qui fait tout bon, qui capote fui, qui capote résultat. C'est pas une question de pessimisme, c'est pas une question de négativité. Mais plutôt son question de réalisme. Nous supposons réaliste par rapport avec une illusion que on a vendu. C'est normal, premier ministre Ariel Henry, c'est lui dans tête l'État. Si gen rencontre qui fait, si gen l'an mec pour serrer, si gen yon promesse qui fait, faut que li toujours à recevoir moun yo, faut que li toujours chita là, puisque si gen l'argent débloqué là, Ariel Henry, encore mieux pour lui, encore mieux pour le gouvernement là, encore mieux pour moun yo mette yo dans tête l'État yo. C'est plus corruption, c'est plus détournement de fonds, mais qui réalité li? Réalité en ce qui ça? Le l'argent débloqué pour reconstruction, le l'argent débloqué, soit après un tremblement de terre, après une inondation, après cyclone, etc., etc. Comment l'argent ça a distribué? Comment l'argent ça a reparti? Qui répartition qui fait? Gagner des ONG qui sous place? ONG ça yo? Yo te déjà te impliqué dans des domaines, yo te déjà te gagné des services que yo t'a bail l'agent ça, on groupe pral passer dans main yo pour continuer. Et l'agent ça qui ça pral faire dans ONG? C'est pral payer hôtel pour yo,
yo gen moun kap travay, ki gen tan, gen salaire, yo pral doublé, etc. etc. Parce que pratique lan, le l'argent bay pou aide, le l'argent bay comme don, le l'argent bay pou reconstruction, li passe nan men ONG ki souterrain yo. Li passe nan men agence ki souterrain yo. Ti sa pral rive jwen, on bos maçon, on bos ébénis, on bos chapante, se ti restan, se ti miet lan, se ti bagay jujut lan, qui pas même ka utile vrai qui pas même ka servir à grande chose parce que idée c'est bail l'argent pour l'argent retourner la caillou encore pour l'argent retourner dans bouchon encore moi même très sincèrement m'envie ouais pour yon fois bon l'argent bail pour une reconstruction bon l'argent bail pour financer des projets gon l'argent bail pour mettre camper et un domaine d'activité un champ d'activité qui fait exactement ce pourquoi il a été débloqué qui fait exactement objectif financement là qui répond avec objectif li doit répondre non mais le n'a gardé en Haïti pratiquement c'est pas ça lié nous prend tremblement de terre 2010 CIRH bambile l'argent. Nous t'as parlé avec Clinton après, qui t'a parlé fait et des confessions pour dire que et oui c'est hier à champ, yo t'es gagné doit être trempé là-dedans. Bon, et comme si yo conscience yo reproché yo que yo volé l'argent reconstruction paysan, que yo pas fait rien pour Haïti après tremblement de terre. Nous t'as parlé avec Mathieu en 2016, même bagaille. Nous gagné Mathieu passé, on prend le temps de gagner l'argent pour le débloquer après cyclone. Nous t'a pral tande même bagay yo passé dans grand sud là après Mathieu ou tande et gen agence interaméricaine qui vini ou t'a pral gen nude qui vini ou gen pam qui vini ou paquet agence qui te vini nous gen institution nationale yo nous gen différents ministères qui allaient qui soit disant impliqué à faire des évaluations pour yo aider moun ki victime yo pour yo aider entrepreneur yo remettre business yo campé li te jam fait yo te jam yo te jam abouti avec quoi que ce soit vraiment entrepreneur ça yo c'est prêt yo te al prend c'est coup de poing yo te al prend parce que l'argent débloqué c'est vrai l'argent pas arrivé nan men yo ça passe nan men autorité locale nou yo ça passe nan men autorité nationale nou yo yo pas privé nan men moun ki victime yo vrai yo pas arrivé nan men moun ki victime yo chaque coucou clairé pour jé yo c'est consalté et après chaque catastrophe naturelle après chaque intempérie qui passe en Haïti c'est consalté toujours yé. Ou victime dégage ou sorti dans soi. Ou toujours gen propagande, ou toujours gen moun qui a dou que gen ministère qui l'a pour ça même pour faire propagande. Mais ou pral conscient que même après tremblement de terre 2010, seul ministère vraiment qui t'est campé que t'a fait un travail de qualité, que t'a fait un travail opère pour t'aider victime yo, pour t'aider entrepreneur qui victime yo, c'est seulement ministère de travaux publics, non contexte côté que te gen déblayage, yo oblige déblayer pour tout le monde. Yo pas tap déblayer pour X, pour Y, pour Z seulement. C'est tout le monde qui te victime, qui te joint service TPTC. Mais à part de ça, je dis en là, si nous avons fait un recensement, après chaque intempérie qui passe, après chaque catastrophe naturelle qui passe, pour dire, ah, ou dans tel domaine d'activité, ou dans l'hôtellerie, Combien fois t'es joué ministère du tourisme et d'eau? Combien fois t'es joué ministère du tourisme supporté ou dans le domaine où y'a ou dans la restauration? Combien fois t'es venu ou t'es bon en douzaine fouchette, en douzaine cuillère ou bien t'es ouvri en canal de prêt pour aller prêter l'argent pour y acheter? Pas de bagaille comme ça. L'argent rentré, on sépare avec ONG. L'argent rentré, on sépare avec gros chef qui n'a tête ministère yo et puis ou même qui en banette ou pas joindre rien pas comprendre que il dit ça y a vendre nous là illusion ça y a vendre nous là que des millions rentrer li pral rive dans même monde qui victime dans grand sud on regarde depuis qui le monde victime depuis août l'école ouvri élève pas à l'école l'école ouvri parents pas à voir petit à l'école 6 mois, 7 mois après, nous toujours dans une situation côté que, gen moun en battante, gen moun qui n'a refuge toujours, gen moun qui n'a abri provisoire toujours, en rien pas fait par bon côté autorité concernée. Alors que, avant 600 millions de dollars, ça, avant fonds ça, t'es disponible, t'es gen plusieurs millions de dollars qui décaissé, t'es gen plusieurs millions de dollars que yo te promet côté yo, qui ça yo fait avec yo. Donc, faut que nous pas naïfs.
faut nous pas quitter moun ba nou anana pour Suzanne. Nous comprenons la réalité, hein? M'oblige à dire nos bagages en jean lire. Réalité en brutale, c'est vrai, mais c'est réalité. Hein? 600 millions de dollars, ça, c'est 600 millions de dollars que nous avons séparé entre eux. Qui pas privé vraiment à Terry. Et pour une dernière fois, m'accentuer, nous allons m'accentuer pour me porter une réponse avec tout le monde qui croit que c'est pessimisme, pessimiste. Et par rapport avec développement, par rapport avec projet pour le mettre en campé là. Moi-même, je vis la réalité, je connais la réalité. Hein? Et c'est quotidien nous, c'est ça dans vivre chaque jour dans pays, hein, des projets montés sous nos haïtiens qui montent sous nos peuples et puis là pour l'atterrir, il pas atterrir sous nous. Nous comprenons, je dis la responsabilité hein, c'est mon grand studio qui gagne. Yo pral venir avec des projets, premier travail c'est qui s'allier, yo pral venir avec un gros panneau, yo pral mettre, yo pral faire un gros billboard là, yo pral mettre, yo pral dou, pral gagne tel projet, projet a gagne ou non. Yo pral mette dure projet, yo pral mette qui est-ce qui met d'ouvrage, qui est-ce qui met d'œuvre, etc., etc. Par exemple, si yo dit nous yo pral construire un village. Village, yo ka di ap construire sous 2 ans. La coûte, par exemple, 10 millions de dollars. Mais faut que nous prudents. Faut que nous veillons pour nous voir comment l'évolution du travail yo a commencé, comment l'évolution du travail a démarré. Si yo dit nous yo ban un village qui gagne, par exemple, 500 kay la dan sous 2 ans. Et vous pral wap courir sous 6 mois, même un piquet de bois pour vous mettre. Nous pas gagne pour nous croiser bras nous garder faut nous mander yo compte. Moi m'a songé en 2010 croix rouge américaine te gagné pour construire pour retirer moun en battante. Pour retirer moun pour retirer plusieurs milliers de familles en battante. Et pas 10 familles non, ni 20 familles, plusieurs milliers de familles en battante. Yo construit 3 cailles. Dans rapport audit qui gagné après 12 janvier 2010 croix rouge américaine construit 3 cailles. 3 cailles et puis yo prend l'argent, yo détourne l'argent yo à travers ces IRH. Moun sa yo tellement malhonnête le rapport et la communauté internationale, les amis d'Haïti. Gen moun ki bay, gen pays ki bay l'argent, gen moun ki fait don vraiment. Gen moun ki ta reme wè Haïti sot nan sa liye, nan kras nan la bou nan maras sa nou la. Gen moun ki fait don. Mais gen moun ki la tout pour détourner yo. Gen moun ki la ki pou pran ou nan profi yo, a seul profi yo, pran l'argent, détourner le mettre le compte en banque yo, mettre le caisse pa yo. Donc faut moun nan sud, faut moun nan grandance, faut nou prudent, faut nou veatif. Projet a vini, y a mette projet. Donc nous gen droit de regard sou li. ONG a vini et d'ailleurs kou n'y a pas d'accord moun di yo pral mette nou, yo pral reloger nous en battant. Non, pas gen causer, yo pral faire abri provisoire pour nous. Non, nous te gen kay nou krasé, côté kay la krasé en position toujours là. N'a fait projet de reconstruction, c'est kay pour nous reconstruire. Nous voulons faire des villages, OK, faut qu'ils répondent avec normes sismiques yo, pas gen problème. Mais faut moun yo, faut nous ka répondre avec attente moun yo, faut nous ka répondre avec besoin moun yo. Nous passer dans rouleau promesse ça longtemps. Nous gen longtemps n'a passé dans rouleau promesse ça yo. Jodi un moment arrivé pour nous suspendre prend anana pour Suzanne, pour nous suspendre prend y a ba nous bobori, yo veulent faire yo veulent nous coincer bout de gâteau, alors que c'est pas vrai du tout. N'a bataille pour changement tout bon, n'a bataille pour développement tout bon, n'a bataille pour reconstruction tout bon, faut projet yo atterri. Nous pas besoin des projets fictifs, nous pas besoin des projets bidons, nous besoin des réalisations concrètes. Hey, aucun problème, bon. Zest of Moringa pour tes solutions pour. Gien zouti, c'est pour mettre bol en même. Ça pral permet ou rallonger peignon. Bal longueur vle, épaisseur vle, pour moun vle. Nan 90 jours seulement, solution nan même, pardon yamande ou. Gien bon, yon traitement 100% naturel, pendant 90 jours, tout bec a été fini, tout garçon ka utilisé. Rele nan 514-886-9776 ou bientôt passez sur website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. De retour après la pause, nous tournons après publicité Moringa là. M'bral kite nou avec Valérie Numa qui t'a bal en interview avec Magic 9 côté que et le m'a parlé nous de danger qui gagne en pile fois dans quoi dans promesse sans que nous pas réalisation nous pas le comprendre. 2010 2016 2021
Valérie Numan, c'est une victime promesse, une victime, soi-disant don kabay, soi-disant reconstruction qui pral gagner dans le Grand Sud là. Nous pral comprendre. Et faut que nous ouvrions les oreilles, nous faut que nous restions attentifs pour nous voir en pile fois nèg yo a fait nous nèg yo besoin faire nous valer en promesse, nèg yo besoin faire nous valer des projets que yo vinn avèl, mais c'est façon y a jouer pour détourner l'argent, et comme si pour nous ba yo quorum pour nous accepter que légalement nous mettez yo là pour yo voler, légalement nous mettez yo là pour yo détourner, légalement nous mettez yo là pour yo falsifier, pour yo voler l'argent projet, l'argent réalisation avenir, avenir, avenir nous tout en dedans pays. Bah, eh ben, jouet, non? Moi, je conseiller à ça qui passait en dedans pays, ça. Nous t'aiguons l'argent pour nous mettre campé en l'autre Haïti, oui? Pour nous mettre campé route en l'air. Pas question via du cafou à pour moi, yo fait coûter des millions de dollars et dans le fond de Caribéen. Non, pour nous t'aiguons bon route en l'air, pour nous t'aiguons bon genre infrastructure, pour nous t'aiguons gratte-ciel. Clinton yo vini comme si c'était l'argent maman yo papa yo comme si c'était eux même qui était à la tête qui t'a ramassé l'argent puis yo touché bon pas même touché pourcentage je levé l'argent et allé avec lui jusqu'à présent pas gain aucune décision qui prend pas bon côté autorité haïtienne pour t'a dit y a poursuivi pas gain rien on l'argent tout le monde te connaît l'argent budget est là tout le monde qui finance est là mais nous tous nous fermons les yeux sur ça. Maintenant, qui paye dans la vie, oui? Parce que nous avons même autorité locale, nous avons une autorité nationale qui participe avec nous dans voler l'argent, dans détourner l'argent. Eh bien, coup ça, 600 millions de dollars, ça, nous pas qu'à quitter le passé comme ça. Eh bien, on entendait, et on entendait Valérie Numa, n'a pas retourné. Valérie Numa, ensemble avec nous en ligne, au Sebon Campiré. Et non seulement on a parlé avec les journalistes, mais on a parlé avec les investisseurs dans la zone NATO. Bonjour, comment est-ce? Eh bien, bonjour, monsieur. Bonjour, Robinson. Bonjour, Robertson. Bonjour, tout le monde qui est sur ce panel-là et tout auditeur. Mais c'est plus entrepreneur, oui, c'est moins journaliste. Tout à fait. Entrepreneur, on a parlé, mais. Mais d'abord, qui me dit nous que M. Tapton de nous trois dans l'introduction, hein, et moi, c'est toi, mon qui vient la foi. Compliment. Oh. Bon. Merci un pile. Merci un pile. Et monsieur Dima, autant d'annonces, 600 millions de promesses pour reconstruction ou agrelèvement presqu'île du Sud après tremblement de terre 14 d'août 2021. L'entrepreneur, l'homme du Sud et l'investisseur et information ça qui ça. Bon d'abord moi-même et époque où on a fait nouvelle, monsieur, c'est ainsi en 2022, je suis présentateur de nouvelle, je vais consacrer trop de temps à ça. Ok? Je suis sûr de ça. D'abord, moi, avant Robertson, nous faisons expérience dans les Nations Unies, je suis dans dit ça. Pas oublier, nous étions ensemble l'autre bois, dans pile promesse qui t'a fait, pile pledge qui t'a fait pour Haïti. Là, ça, je suis plus jeune, donc je suis extrêmement excité. Ou quoi, je suis de quoi? Je suis enragé par rapport à ça. Et puis après ça, mon cher, l'âge amène la raison. Je me rends compte que l'homme dans des 600 millions, il va faire ni chaud ni froid. D'abord, je ne sais pas quoi. Pour commencer, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi à plusieurs niveaux. Je ne sais pas quoi que c'est de nouveau l'argent réellement. Je ne sais pas qu'on a qui pourcentage l'argent, ça a tout neuf. Même presque, il y a une garantie que PIFO, c'est des bagailles quelque part qui ont été annoncées déjà et viennent renforcer. Parce que très souvent, la communauté internationale a annoncé des bagailles. Il faut regarder qui ça a été dit. Parce que regardez, a dit, en perspective pour les 4 prochaines années, on a pas gagné 300 millions. Au cas où c'est dans 300 millions, ça a une là carrément. Annonce 90 millions, bon 100 millions. OK? Ça, c'est pour premier bail là. Deuxièmement, le COP la vient arriver, il peut passer par des ONG, il peut passer par des gens qui ont des programmes déjà qui ont commencé à faire. Et puis c'est eux-mêmes qui ont soi-disant financé. Troisièmement, le COP arrivé sur le terrain, bon, garantie, c'est de la poudre aux yeux, le bras lié. Un bon exemple, moi-même, par exemple. Depuis 14 août, le recul hôtel fermé. Vous pensez m'apprendre l'argent ça pour me faire bec? Pas grand possibilité sous 10 000 pour m'y en là-dedans, directement. OK? Ça veut dire que c'est des bagailles comme des programmes que vous allez envisager. Seul j'en moi même pour mon état avec nous, m'ka bénéficier
Donc, bah, comme ça, c'est l'heure à venir faire soit réunion, soit conférence, soit des rencontres. Moi, j'ai une salle de conférence, et puis mon restaurant, à ce moment-là, il y a plus de salle de conférence, là, et puis il y a bah, mon lieu de toi, t'y manger. Et qu'on bénéficie. Mais au monde qui pas dans la situation, pas, il va bien nous dollar, non? Là, il a parlé, par exemple, de l'école, yo. Mais écoute, je suis certain que l'école, ça, yo, un peu cantine scolaire, programme alimentaire mondial est intervenu dans le secteur. Ça, je suis sûr et certain que vous pouvez renforcer la capacité du programme alimentaire mondial dans le pays. Si le Japon dit, par exemple, la baye 30 millions de dollars, depuis 30 millions de dollars, on met quoi et ça dit la pied. OK? Automatiquement, c'est converti ou converti 30 millions de dollars. Enfin, ça dit en l'argent, les vins bon, ça. Donc, ça veut dire que faut que nous pas bercer aux illusions pour penser que 600 millions de dollars, effectivement, pour aller investir dans l'économie là. Bon, écoute, nous avons fait expérience en 2010, monsieur, nous avons été réglé. Et Mathieu passé dans le sud, et c'est seul FDI qui fait effort, etc. Mais année, ça, en 2021, on a FDI n'a fait rien du tout comme intervention. Parce que tout simplement, la majorité de gens qui ont prêté comme la Mathieu, ils ont gagné 2 ans de moratoire. Mathieu passé en 2016, il y a un monde qui joue une cobla dans mes FDI en fin 2016 ou bien début 2017. Il y a 2 ans de moratoire pour payer uniquement intérêt sur cobla. OK? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire 2017-2018. Après ça, pour commencer à payer capital et intérêt en 2019, juste garder qu'il y a un pays qui a fonctionné, monsieur. 2017-2018-2019, pour nous. Est-ce que nous pensons que l'entrepreneur a une possibilité de remettre l'argent ça? C'est extrêmement difficile. Maintenant, qu'on composante et Daniel Pchache et Chiflamme. Par rapport à ça, il n'y a pas même Vina, il n'y a pas même Vina, parce qu'on connaît que vous devez déjà pas payer, donc il n'y a pas de personne devant. Maintenant, dans le secteur, il y a des besoins qui étaient identifiés pour les secteurs productifs et il y a mobilisation de ressources pour le secteur productif. Dans le secteur productif, là, mettez agriculture, mettez industrie, entre autres. Maintenant, les entrepreneurs du Sud, est-ce que ils ont organisé dans des institutions, dans la chambre de commerce, des groupes de pression? Est-ce que il y a des tables sectorielles qui ont là-dedans des discussions techniques avec l'État, ministère de planification, ministère de finance et les bailleurs pour orienter et canaliser des projets si tant c'est relèvement qui objectif est la vrai. M'pa konnen si yo fèl, moi m'pa fè partie de structure ça parce que m'pa kwè yo bay résultat parce que ça. M'pa konnen si yo fèl. Mais ça t'a étonné que vous faites, parce que c'est grand si moun yoye, vous faites expérience déjà. Vous allez faire toute réunion ça a eu. Parce que pas oublier, nous prenons frappe dans le cyclone, nous prenons frappe dans l'inondation, nous prenons frappe tout le temps. Ça veut dire que chaque fois que vous faites réunion ça a eu, pour regarder qui sont capables de canaliser. Vous besoin, ça n'a pas rien comme résultat. Vous mettez quoi même? C'est toujours moun yo, à la fin des fins, qui dégage yo, vous prenez pon ya, côté au cas jeune pon ya. Ils viennent des mondes prêter, ils prennent des risques avec eux, et puis ils disent ok mon cher, on nous garde signe capable et avancer. Ma bon exemple, c'est simple. Pablo, ma plan c'est Tikaol, ma tanzol demain, ok. Mais son gros industrie monte là. Mais filière pas maintenant transformation. Mais besoin en pile lettre. Donc ça veut dire qu'en pile monde qui dans secteur bœuf là, besoin en pile fruit. Donc tout le monde qui vend fruit, il y a possibilité pour y venir et porter au bas moins. Mais au bout du compte, même Apfel, c'est moi qui Apfel avec 2-3 partenaires. Mais ou pas, j'aime que nous supportons ça. OK? Alors que l'y répondre à une démarche de renforcer la production nationale. Si vous regardez dans le programme Mounzaï, vous avez toujours eu une incitation à la production nationale, encouragement, mise en place des structures pour transformer les produits. Et vous m'avez fait là. Vous pensez que vous avez nous support? Non. Parce que moi-même, c'est pas que je suis pessimiste, même réaliste. Puisque je suis un grand monde dans le secteur, moi, je vis la réalité. Moi, je suis même capable de vivre la réalité, par exemple, comme entrepreneur. Et je connais ça tout. Je connais que il ne faut pas mettre trop espoir. Ou je dis tout à l'heure, pour une médecine sous compte peut-être marron, si nous faisons un plan bel courir, longtemps, par exemple, vous avez une réunion qui est en fait là, une chambre de commerce, une chambre de commerce garçon, une chambre de commerce femme, une chambre de commerce mixte, etc. Vous avez une série de mobilisation, vous avez préparé projet. Mais nous faisons ça 20 fois déjà, il n'y a pas jamais de résultat. Personne ne va rentrer dans ça. OK. Mais comment PDNA a été monté? Est-ce que
et ministère et coopération externe qui était in dans dossier ça à l'époque c'était Dera qui était dans tête ministère. Est-ce que pas un travail de terrain qui était fait pour t'al parler avec des monde courant, d'autres entrepreneurs qui dans zone là, d'autres notables qui dans zone là, dans tout grand sud là pour que on te collecte données et garder besoin et garder champ d'intervention yo. Exactement. Le Dera était ministre planification, monsieur était venu dans sud là. Il était fait ça, il y a un paquet de monde qui était venu et il a ramassé des données, il y a des promesses qui étaient faites, etc. Je t'ai invité à me battre. Je vais lancer ça parce que moi-même, je ne suis pas bon, je vais sauvegarder l'énergie pour me faire des activités. Je ne vais pas perdre du temps dans des gens qui ont parlé, des promesses, etc. Comprenez bien, monsieur, moi, attendez, moi, j'ai 30 ans depuis mon entrepreneur. Ok? Je fais business, j'ai plus que 30 ans. Mais, je fais expérience déjà. Pour qui ça m'a répété alors que je n'ai pas de résultat. Si je suis content, par exemple, en termes de loisirs, je dois aller comme ça, je ne peux aller. Mais regardez, je dis, dans le cas business spam, je ne suis pas d'accord même recevoir le ministère commerce, le ministère finance, le ministère tourisme pour même chercher une donnée là même. Je dis, je ne peux pas même une donnée. Ça va intéresser tout. Pour ça, mettez tête en marge comme ça de. Parce que le pas bon résultat, monsieur, parce que vous faites tout le temps. Bon, match ou passé. Ministère tourisme vini. Vous prenez mes données. Ministère commerce vini, vous prenez même données touristes. Ministère économie et finance vini, vous prenez même données, etc. Vous dites après le fonds suivi. Mais vous ne faites pas un monde garde un drap dans le secteur. Vous ne faites pas un monde tête zoye dans le secteur. Vous ne pas accompagner personne dans rien. Même gens avec nous avons gagné Radio Platinum t'es écrasé dans Mathieu. Mais nous sommes directeur et qu'on a tel là, vini. Bon, Zami Maltema, vini, étranger, vini, etc. Mais il n'y a pas de radio cadeau en casse, non? Ok? Il n'y a pas de cadeau, même à travers un petit mixeur, non? Vous comprenez, ça dit que toute sorte de cap d'yo, c'est pour la galerie. Moi-même, moi refusé de quorum dans le bagage, parce que nous avons cherché pour faire gros documents. Pour yon mette chiffre, d'ailleurs, moi-même, le ministre de Tourisme est venu et l'autre jour, moi dis yo, le jour où vous un document, moi, nous parler de l'auricule là-dedans, moi, m'a plein nous. Ok? Parce que nous pas liste là-dedans. Ok? Parce que, m'pap cautionne de démagogie ça, parce que démagogie yon. Sauf que m'dis jeune qui t'est venu, yon pas un problème, non, m'connais yon bon un petit peu d'IEM, et ben, comme ça, j'ai tête nous. J'ai tête nous, mais m'connais, y'a pris pendant m'a dit ça, parce que quand c'était démagogie, à preuve, yo ben garanti nan un mois y a pour tourner y a une fond réévaluation et puis y a dit mais qui ça qu'a fait yo t'est passé qui le t'est passé fin octobre nous en février yo pas jamais passé maintenant pour un seul bam di nous une note positive un seul ministère qui t'est réglé un bagage après séisme dire le ministère des travaux publics transport et communication yo fait une évaluation de chaque grain caille après séisme pour regarder est-ce que Kaysa a une situation pour la battre net, pour le casel? Est-ce que il est capable de réparer? Est-ce que son cas est capable de fonctionner? À ce moment-là, après un mois, il a fini de faire première évaluation. Il a retourné faire une deuxième évaluation. Kay en Kay, côté qui était par exemple rouge ou qui crasé, il a mis une petite note. Côté qui était jaune, qui était mérité réparer. Yo e ki fin repare, yo met un petit verre qui autorise moun yo capable fonctionner là-dedans. C'était capable avec restaurant le recul. Yo vini, yo te wè que espace la mérité réparé, yo mette jaune sous lit. Après ça yo wè que m'a fait travail réparation dans restaurant, yo retourné, yo mette verre sous lit qui autorise le fonctionnement. Ministère travaux publics, qui te mande un bagage et Robinson s'est évoqué là depuis plus de 6 mois maintenant, 1er juin et Sud et Port-au-Prince et pays à coupe en deux à cause de mentissant et Ben se demandait est-ce qu'il y a quelqu'un pour acheter bateau pour acheter avion là dernier maintenant c'est problématique sécurité là qui posait et c'est problématique tout de infrastructure de développement qui posait il y a inauguration récemment de Port du Sud ce qui est une bonne nouvelle il y a un bateau PAM qui est arrivé Pierre Léger t'a indiqué ça mais maintenant tout ça, parler de relèvement du Sud avec les problématiques sécuritaires, comment on met ou elle? Et c'est ma dernière question en une minute. Réponds-moi, chef, t'en prie. Ok, quitte à me dire que l'on a parlé de sécurité, c'est parce que quelque part en Haïti, nous sommes pays pauvres. Grand réflexe que nous gagnons pour le transport, c'est le transport terrestre. Ok?
Alors que et maritime nan, et aérien ta ka permettre que bon et non par contourner non mais au moins nous minimiser et ça malheureusement pays a pauvre pas comment des monde pour que yo fait ça d'accord mais maintenant si par exemple pas un effort qui fait qu'est-ce qui pour faire effort mais monsieur c'est l'état qui pour garantir sécurité a c'est pas chaque citoyen que vous dégagez pour bail peut-être une forme de sécurité bon bon exemple simple monde qui a sorti Port-au-Prince comme bandit qui décide de venir dans le sud yo. Bon évidemment yo vient avec zogan yo tout m'a bon garanti pendant plusieurs fois au niveau de côte sud là depuis yo kembe un monde impliqué dans question bandit ou bien kidnapping yo vient tête tout littéralement hein, yo coupé tête tout comme si ouais ça moun yo tout bail tête tout OK ou a préparé une possibilité pour qu'on moun font kidnapping dans zone et côte sud là pour que yo te gen t'en mette dans garde à vue après ça voyer dans prison pour la sauver pour nèg la bay l'argent non tête qui coupé deux gouttes OK yo essayé faire l'en grande dans tout c'est comme ça bay la fête avait dit que finalement moun yo dit a bay tête propre justice pa yo parce que l'état malheureusement pas en mesure offrir moun yo rien li pas en mesure proposer rien eh ben moun yo dit mon cher yo pa gen l'autre choix c'est ça qui fait que sécurité pas dépend de moun non sécurité dépend de l'état. Système établi okay. Et que l'état bay garantie de sécurité. Valérie merci pour tout ça. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h suivez sur votre chaîne mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Désespoir de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission Mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sorti lundi pour arriver vendredi, depuis fait 2h, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick l'en même voix.